après le fameux bip-bip de Spoutnik, il s'en est passé des choses. L'homme s'est posé sur la Lune. Et aujourd'hui, eh bien, le secrétaire général des Nations Unies envoie, représentant de tous les terriens, des messages à des extraterrestres éventuels. Christine de Kerlor. Alors voici ce qu'on voit dans ce désert. Non seulement les coutumes, la vie des Indiens, des Andes, des côtes et des Indiens, des tribus venues de la forêt amazonienne, mais encore de prodigieux personnages gravés dans des roches aussi dures que le granit, à milliers d'exemplaires, vêtus de combinaisons de vol, comme vous pouvez les remarquer tout à l'heure, si vous permettez, je commenterai une des photos, si vous le permettez, vêtus de combinaisons collantes et de casques importants, transparents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 1977, les rapports des gendarmes, les scientifiques qui s'en occupent en ce moment. Et vous savez que le gouvernement a nommé depuis 3 semaines un monsieur OVNI. Vous avez d'autres idées, si je puis dire, sur la question, qui vous intéressent, bien sûr. Oui, bien, nous sommes les premiers à posséder des écrits précis au sujet non seulement des OVNI, mais des extraterrestres, car l'un n'implique pas nécessairement l'autre. Et ma foi, nous avons donné les noms des planètes, Arca, etc., dans nos textes. Restés secrets très longtemps, mais enfin tout de même assez connus pour les gens qui lisent tout au moins les langues orientales, l'araméen et l'hébreu dans l'original. Commandant de Savoie, alors vous avez vécu une expérience assez fabuleuse, oui. Vous êtes commandant de bord, et en 56, il s'est passé quelque chose dans le ciel d'Orly. Vous avez vu? J'ai vu un ovni, enfin, j'ai vu après qu'il m'ait été signalé par le radar. Véritable contacté par les extraterrestres, Jean Miguère. Quand je dis contacté, vous ne vous offusquez pas? Absolument pas, non. C'est vrai. C'est bien vrai. Bonjour. C'était le 17 octobre dernier. Nous avions eu un peu l'audace de lancer une émission sur les problèmes paranormaux, sur le phénomène des ovnis, des extraterrestres. Et je dois dire que l'intérêt suscité par vous sur cette émission nous oblige aujourd'hui à en faire une seconde partie et tout au moins à répondre aux questions que vous nous avez posées, soit par téléphone, soit par votre courrier. Alors, il y aura beaucoup moins d'images, moins de chanteurs, et nous essaierons de cerner le problème, ça me paraît un petit peu difficile, mais tout au moins d'apporter un peu plus encore d'informations, des informations que vous souhaitez. Vous venez de voir à l'instant Jean Miguère, dans le film du 17 octobre, qui était un contacté par les extraterrestres. Eh bien, je vous présente aujourd'hui quelqu'un qui, en 1954, a vu, c'était le premier ayant vu des ovnis et surtout deux personnages étranges. Il s'agit de Marius de Wilde. On ne peut pas l'accuser d'avoir des visions, ou du moins de succomber à une certaine presse, puisque c'était tout nouveau encore, c'est la première fois qu'on parlait de ces fameuses soucoupes volantes. Non pas la première fois, mais de cette manière-là en tout cas. C'est vrai, Marius de Wilde? Effectivement. Bon. À côté de vous, Pierre Collère, du CNRS détaché à l'Observatoire de Meudon. À l'Observatoire de Meudon. Eh bien, vous êtes un astronome et en tant que scientifique, eh bien, vous pourrez participer à la discussion et puis dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord par rapport aussi aux questions posées. Jimmy Guilleux, vous le connaissez sans doute, puisque c'est un ufologue. Alors, pourrait-on définir une fois encore ce qu'est un ufologue? Ufologue, cela vient de UFO, Unidentified Flying Object, objet volant non identifié. Et ce barbarisme nous paraît un peu plus clair que ovniologue, qui est absolument atroce. Et donc, je suis devenu, par la force des choses, comme beaucoup de mes collègues, un spécialiste de ces problèmes, et donc je suis ufologue. À ma gauche, Monsieur Grad, vous êtes kabbaliste, et je dois dire que vous avez suscité dans l'opinion des téléspectateurs qui nous regardent l'après-midi beaucoup de questions. Et j'espère qu'on pourra avancer un petit peu dans ce problème de la kabbale, qui est très lié aux ovnis, on est bien d'accord. C'est évident. Ce n'est pas une vue de l'esprit, notre... Non, 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 absolument pas. Bon, d'accord. Monsieur Charles Boyer, comme le grand acteur, mais pas de votre famille, non? Aucun rapport. Aucun rapport. Aucun rapport avec lui. Alors, monsieur, vous êtes astronome au Pic du Midi. Et vous avez demandé de préciser que vous n'êtes pas un officiel. Je ne suis pas un officiel, mais j'assure un service de photographie planétaire au Pic du Midi en disposant du télescope de 1 mètre. Mais vous avez aussi, vous avez observé le ciel et découvert quelque chose. Oui, j'ai travaillé autrefois sur Vénus. C'est ce qui m'a valu peut-être d'être admis au Pic du Midi par la suite. Vénus, c'est intéressant, ça, pour la kabbale. Bien sûr, oui. Il y a un lien. Après vous, monsieur Guitarat, qui est aussi ufologue, alors les parties, là, cette fois, sont équilibrées, j'espère. Nous sommes complices avec le... Absolument. Complices et confrères.
Et naturellement, ben, l'après-midi, il faut aussi écouter un petit peu de chansons, de musique. Nous aurons bien sûr un petit peu de jeu en fin d'émission avec notre ami Vonnie. Et puis, Pierre Louki nous fait l'amitié d'être avec nous cet après-midi. Et je sais, Pierre Louki, que vous êtes très intéressé par le problème des ovnis. Je suis très intéressé, mais j'ai peur d'être l'ignorant de la soirée parce que, à la vérité, j'en suis encore resté au stade du cerf-volant. Je vais sûrement apprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est peut-être la première question de cet après-midi. Je crois que, finalement, nous sommes tous plus ou moins assez ignorants. On essaie tous de comprendre quelque chose. Et je crois qu'on pourrait mettre en exergue de cette émission, c'est que, finalement, on plane gaillardement dans ce sujet. Donc, qui veut... Non, sauf vous, monsieur Brandt. Vous planez pas, vous êtes tout... Ah, je suis dans le bain. Vous êtes dans le bain, bon. Dans le prêt du jeu. Alors, pour essayer de replacer donc le sujet dans son contexte, je vais vous proposer, messieurs, un certain nombre de diapositives que nous avons. Et je voudrais que, simplement, tranquillement, vous nous disiez si vous êtes d'accord ou non avec ces diapositives, si elles sont, si on a réussi à les analyser, ou bien si, au contraire, c'est une manifestation extérieure. Alors, la première diapositive que nous allons voir à présent, alors c'est un coma météorite photographié au-dessus de l'Afrique à partir du Concorde 001. J'espère qu'aujourd'hui, Concorde, en traversant l'Atlantique, en allant à New York, n'a pas rencontré d'OVNI. Et c'était pendant l'éclipse solaire du 30 juin 1973. Est-ce qu'on a eu du nouveau sur cette fameuse tache lumineuse, Pierre Coller? Non, depuis l'explication que vous venez de donner, vous savez que ça a été très controversé, d'ailleurs, oui, on avait commencé par parler de bien d'autres choses. Et puis on a admis cette explication d'un nuage météoritique. Dire qu'elle est satisfaisante, ce serait quand même peut-être beaucoup dire, parce que effectivement il y a là quelque chose qui n'est pas encore très clair. Mais je ne pense pas non plus qu'il se soit agi là d'un ovni. L'ufologue Jimmy Guilleux. Ben, je suis enclin à suivre notre ami Pierre Coller dans cette explication, encore que je trouve un peu opportun que ce nuage se soit manifesté spontanément au moment où l'opérateur appuyait sur le déclencheur. Disons qu'il est bienvenu. Bien, deuxième diapositive, c'est les formes d'OVNI à travers ces dernières décennies. Alors, on y retrouve d'ailleurs au milieu, vous voyez, ce cigare là, c'est la fameuse soucoupe Adamski. Alors, qui peut nous parler d'Adamski et la fameuse soucoupe d'Adamski? Ben, c'est pas la soucoupe d'Adamski, c'est l'engin porteur, the mothership, l'engin porteur. Adamski, en 1952, à Desert Center, en Californie, a vu se poser un engin, il en a vu sortir un être d'apparence humaine, aux longs cheveux, il était à la mode avant la lettre. Et Adamski a communiqué par télépathie avec cet individu qui s'est déclaré être vénusien. Ah, Vénus, tiens, monsieur Boyer. Bien entendu, c'est ce qu'il a dit, oui, mais nous savons parfaitement maintenant que cela faisait partie du cinéma que ces êtres nous jouent. D'autres se sont présentés à d'autres témoins comme des martiens. Tout ça, évidemment, ça ne tient pas debout. Ce sont des manipulations. Cependant, je voudrais quand même dire, à la décharge d'Adamski, qu'en 1952 et en 1956, lorsqu'il a publié son second ouvrage, qui n'est pas connu en France, Inside the Spaceship, c'est-à-dire à bord des astronefs, Adamski a quand même révélé, a rapporté ce que les êtres de l'espace, quels qu'ils soient, lui avaient appris, à savoir qu'il existait des ceintures de radiation. Or, ces ceintures auxquelles on a donné par la suite le nom de Van Allen, les physiciens qui les avaient mis en évidence, à l'époque, ce n'était pas connu. Il a parlé des fameuses lucioles, c'est-à-dire de petits machins. On en verra tout à l'heure, oui, à partir d'Apollo 11. Apollo 11, exactement. Nous verrons des diapos. Et Adamski, à l'époque, prétendait en avoir vu à bord de l'engin qu'il avait emmené, paraît-il, dans l'espace. Je crois qu'Adamski est vraiment le premier contacté, manipulé délibérément, exactement, pour nous faire raconter les histoires. Moi, je crois qu'il faut revenir sur ce que Jimmy vient de dire. En effet, nous qui sommes sur le terrain, nous qui enquêtons, il y a une chose qui nous frappe, c'est que l'aspect absurde du phénomène permet d'échapper à la science basée sur la raison. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Nous avons vraiment l'impression que nous sommes manipulés par une force parallèle, par une force qui agit dans notre environnement. Et c'est justement ce côté absurde des contacts. Vous allez prendre un contacté qui va vous dire « j'ai rencontré des êtres qui mesurent 80 cm de hauteur ». Vous allez reprendre le cas d'Adamski, qui a rencontré un Vénusien avec des grands cheveux blonds. Nous avons vu dernièrement l'affaire Magali, cette affaire qui s'est déroulée en Provence, et où le témoin, et là l'affaire est dure comme du roc, pourrait-on dire, le témoin est resté 2h30 avec des êtres qui mesuraient 2m30 de haut et qui étaient bruns avec le teint basané. Puisque j'ai la parole, je vais en profiter pour dire à nos amis qui nous regardent que
le 2 novembre dernier, près de cette tour que nous avons vue en première émission, il y a eu un nouveau survol. Et il semble que cette région soit véritablement privilégiée. Il y a très souvent des observations, et nous reviendrons tout à l'heure sur un fait qui s'est déroulé dans cette zone, sur ce plateau qui se trouve près de Uzès, à la suite de confidences de notre ami Marius de Vigny. Bien, alors, de toute façon, c'est peut-être, nous sommes peut-être pour quelque chose, peut-être qu'on réactive quelque chose en ce moment. Peut-être que nous réactivons quelque chose, mais il y a une hypothèse qui n'a jamais été émise. Vous savez, moi, je veux bien que nous ayons affaire à des grands initiateurs venus d'ailleurs. Mais si nous étudions le phénomène OVNI depuis son origine, on nous dit, oui, ce sont des gens qui viennent nous apporter le bonheur, nous apporter la science, nous apporter la connaissance. Or, il est regrettable de constater qu'aucun contacté, jusqu'à ce jour, nous a apporté qu'un élément qui nous permette de faire avancer notre civilisation. Et tout au contraire, depuis le 21 juin 1947, nous avons véritablement l'impression que notre civilisation tend vers la décadence. Et là, je vais faire un thème de science-fiction. Pourquoi ne pas imaginer que nous sommes les victimes d'une sorte de vampirisme, bioénergétique, peut-être. Nous serions la ruche de quelqu'un et nous serions exploités à ses fins par quelqu'un qui vient d'ailleurs. Bon, je crois qu'on est déjà parti très loin dans la discussion. Moi, je crois que nous sommes là, effectivement, pour émettre des hypothèses. Et puisqu'on ne nous a pas prouvé le contraire, pourquoi ne pas le croire? Mais tout de suite, voilà une diapositive. Je crois que personne ne la conteste. Oui, absolument. C'est Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Oui, c'était pris en 1957. Oui. Les astronomes, Monsieur Boyer. Je connais mal la question des photos d'OVNI, mais je pense que c'est une photo qui a été analysée sérieusement. Je crois qu'elle n'est pas contestée. C'est ça. Bien. Puisque je suis avec vous, Monsieur Charles Boyer, nous aurions souhaité ici, cet après-midi, dans cette émission, avoir quelqu'un du CNES, du Centre National des Études Spatiales. Et Monsieur Poher, qui s'en occupe, n'a pas pu venir. C'est un groupe à part, c'est le GEPAN, c'est ça? C'est le GEPAN. Bon, est-ce que vous pourriez nous définir comment le problème des ovnis est considéré par la science en France? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je vous dirai comment il est considéré par certains scientifiques. J'entends bien que les scientifiques ne sont pas unanimes sur la question. Mais actuellement, je crois qu'on peut dire, sans crainte d'être contredit, que notre connaissance de l'univers, actuellement, nous indique que la vie extraterrestre est hautement probable. D'une part, nous savons que beaucoup d'étoiles ont des systèmes planétaires. En premier lieu, nous savons qu'il y a énormément d'étoiles. Je voudrais dire quelques mots sur l'immensité de l'univers que l'on puisse saisir vraiment le nombre de chances qu'il y a pour qu'il y ait des mondes habités. Nous faisons partie de la galaxie qui comprend environ 100 milliards d'étoiles. C'est notre paquet d'étoiles. Les étoiles sont groupées par paquets que l'on appelle des galaxies. Il y en a 100 milliards dans notre paquet. On a dénombré actuellement approximativement 4 milliards de galaxies à en moyenne 100 milliards d'étoiles chacune. Bon. Les étoiles, ce sont des soleils comme le nôtre. Il est évident que la vie ne peut exister que sur des planètes gravitant autour d'une étoile. Il y a des conditions de température et de milieu chimique qui sont assez étroites pour que la vie puisse se développer. Mais étant donné le nombre immense d'étoiles qu'il y a, le nombre très grand de systèmes planétaires probables, j'entends bien qu'on n'en a jamais détecté directement un autre que le nôtre, mais enfin ça c'est une question de technologie. Il est hautement probable que la vie existe dans de très nombreux points de l'univers. Si nous ajoutons à cela que les... Mais pardon monsieur, c'est votre point de vue à vous. C'est le point de vue de tous les astrophysiciens actuellement. Vraiment, je ne pense pas qu'il y en ait un sur 100 qui conteste cela. Par ailleurs, il y a une autre chose qui n'est plus contestée par personne, c'est que le nombre de molécules organiques que l'on trouve dans l'espace s'accroît toutes les semaines. Ça, ce sont des découvertes de la radioastronomie. Actuellement, on en connaît peut-être plus de 40 ou 50 grosses molécules organiques toutes autour du carbone. Je l'indique parce que c'est important, cela limite singulièrement les possibilités de température et de milieu. S'il y avait de la vie autour du silicium ou du phosphore, on pourrait imaginer une vie, par exemple, sur Vénus, autour du silicium, à des températures élevées. Mais actuellement, on a trouvé dans l'espace de l'alcool, du formaldéhyde, des sucres. Je crois qu'on a même trouvé de la cellulose récemment. Enfin, il y en a énormément. Donc, il semble qu'il y ait une sorte de pression vers la vie qui se fait, et même dans les espaces interplanétaires. Ces molécules, on les trouve partout. Alors, toutes ces choses rassemblées
rendent très vraisemblable, puis alors après il y a aussi le principe de banalité, que dans le fond nous ne sommes pas un point singulier de l'espace. Tout se passe à peu près partout pareil. Du moment que c'est comme ça chez nous, il y a de très grandes chances pour que ça se soit produit de la même façon ailleurs. Je voudrais vous montrer quelque chose. Voilà, cette diapositive, ce sont des lenticulaires, des nuages lenticulaires qui se forment au sommet des montagnes. Oui. Et très souvent, ce sont les, on rentre dans le problème des phénomènes qu'on peut analyser. Oui. Et la bonne foi des gens peut effectivement être trompée par un phénomène comme d'accord. celui-là. Je suis d'accord, monsieur, mais actuellement, sur les analyses statistiques que l'on a fait et qui, elles, semblent bien prouver la réalité du phénomène OVNI, on compte que sur une centaine d'observations, il y en a 90 qui ne sont pas des ovnis, qui sont des lenticulaires, qui sont des ballons-sondes, qui sont des météorites, qui sont parfois des planètes, et il y en a énormément. Mais il y a un point important sur lequel je veux insister, c'est que les observations semblent toutes assez bien faites, et que lorsqu'il s'agit d'autre chose, on détecte très vite de quoi il s'agit, ce qui prouve que le témoin a bien décrit ce qu'il a vu. Par conséquent, quand il a décrit l'OVNI, il n'y a pas de raison de douter qu'il a bien décrit ce qu'il a vu aussi. Voilà, alors est-ce que cette diapositive, c'est une soucoupe volante au-dessus de San Francisco? Vous voyez, on voit un doigt là. Oui. Est-ce qu'elle a été analysée, cette diapositive? Je ne la connaissais pas. Soyons prudents. Pour être prudent. Oui, je crois. Bien que l'éclairement vienne du même côté, bien sûr, il vient de la droite, et les ombres portées sur la photo des bâtiments de Frisco viennent aussi, sont éclairées par la droite, ça ne veut pas dire nécessairement que l'engin est authentique. Je n'ai pas vu négatif, je ne peux pas me prononcer. Bien, si j'ai bien compris, monsieur Boyer, finalement, pour vous, puisqu'on n'a pas prouvé le contraire, il n'y a pas de raison que vous ne croyiez pas aux ovnis. Si, alors, il y a une dernière réserve que je voudrais exprimer au nom des scientifiques. C'est que le phénomène OVNI, tel qu'il est décrit, ne suit pas les lois de notre physique, actuellement. Alors, de deux choses l'une, ou il n'existe pas, parce qu'il est impossible, ou s'il existe, c'est que notre physique n'est pas finie. Parce qu'il y a un point sur lequel je veux insister, si les OVNIs existent, et s'ils viennent d'ailleurs, ils ne viennent certainement pas du système solaire. Quand on parlait de Vénus tout à l'heure, ou de Mars... Voilà nos lucioles, vues à bord d'Apollo 11. Hein. D'accord. C'est ça, Bernard. Il est évident, ils ne viennent pas du système solaire. Ils viennent d'une planète gravitant autour d'autres étoiles. Et alors, il y a actuellement un obstacle majeur, non seulement au point de vue technologique, mais même au point de vue de la physique théorique, c'est la distance. Il est impossible d'imaginer un voyage vers une autre étoile, même en faisant appel aux moyens les plus puissants que l'on peut imaginer théoriquement, comme par exemple la désintégration, la fusion matière-antimatière. C'est impossible. Donc, si vraiment notre physique est terminée, et si nous connaissons l'essentiel des lois physiques, eh bien les ovnis ne peuvent pas exister. Un autre astronome, Pierre Collère. Oui, c'est effectivement sur cette idée que nous avions terminé la dernière émission. La position de M. Boyer est extrêmement claire et défendable, je la partage, parce qu'effectivement, ou bien on admet que notre physique actuelle est limitée, et à ce moment-là, les ovnis ne peuvent pas exister parce qu'ils présentent des caractéristiques qui ne s'explique pas avec notre physique, ou bien il faut admettre, et je crois que c'est la voie de la raison, que cette physique est limitée parce que nous sommes arrivés à un certain stade de découverte, de technologie, qui fait que nous ne connaissons que certaines propriétés de la matière, certaines propriétés de l'énergie, mais qu'il y en a d'autres que nous ignorons. Et je crois qu'effectivement ce serait très prétentieux de prétendre que nous savons tout à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez idée des théories qu'on pourrait apporter sur le problème des ovnis pour résoudre? Parce que je suppose qu'un savant, dans les dispositions d'esprit comme vous, a envie de chercher, de comprendre, d'émettre des hypothèses. Et je suppose que vous me parlez comme quelqu'un qui ne fait pas le complexe de Galilée. Je suppose. Non, mais écoutez, je vais être franc, je n'émettrai pas d'hypothèses pour la bonne raison que je ne travaille pas sur le problème. Bon, je suis astronome, j'ai une qualification bien particulière. Je ne m'intéresse pas non plus professionnellement aux ovnis, puisque officiellement ils n'existent pas. Mon travail ne consiste pas du tout à faire de nouvelles hypothèses, mais je veux dire que c'est une opinion intuitive et raisonnable, basée simplement sur la logique. Basée uniquement sur la logique. Non, oui, mais monsieur, je peux vous ajouter quelque chose. Pardon, si vous voulez parler. Je peux ajouter quelque chose. S'il vous plaît. C'est que j'ai entendu dire qu'il y a certains théoriciens qui actuellement poussent des recherches dans le sens d'une extension des propriétés de l'espace, notamment. L'espace se rétrécit. Non, c'est la science-fiction. Monsieur, je serais incapable de vous l'expliquer, et si je vous l'expliquais, je crois que personne n'y comprendrait grand-chose. Cela fait appel aux
techniques mathématiques les plus avancées, mais enfin, je crois qu'il y a des gens, et parmi les théoriciens les plus qualifiés, que ce soit en France ou à l'étranger, qui se penchent actuellement sur le problème. Bon, alors puisque nous avons maintenant, puisque la science a répondu d'une certaine manière, c'est plaisir de penser que c'est ouvert tout de même. Oui, mais justement, si, puisque nous parlons d'hypothèses, je veux bien essayer de vous en invoquer une. Oui. Qui rejoint ce que vous venez de dire, c'est que, en prenant, disons, un exemple assez simple, on peut imaginer qu'il existe d'autres dimensions de l'espace, et que de temps à autre, par suite d'un phénomène que nous ne comprenons pas, il y ait interférence entre ces autres dimensions et nos dimensions, c'est-à-dire nos trois dimensions de l'espace et notre dimension de temps. Et que de temps en temps se matérialise dans notre univers quelque chose qu'on n'explique pas parce que précisément il relève d'autres dimensions. Simplement, c'est une sorte d'interférence. Si vous voulez, tout le monde sait, je pense, ce que sont les interférences. Bon, il y a différentes dimensions s'imbriquent tout d'un coup. Il y a quelque chose qui surgit et qui disparaît, ça correspond assez bien aux ovnis. Vous voyez que nous essayons dans cette émission moins d'apporter des témoignages et ceci et cela, qui sont à la fois ou toujours contestables ou toujours vrais, nous essayons de réfléchir un petit peu sur le thème, et dans vos questions que vous avez posées par courrier ou par téléphone, il y avait une chose qui revenait assez souvent, c'est le rapport des ovnis et de la religion. Monsieur Grade, vous êtes kabbaliste, mais je suppose que vous suivez tout ça de très près. Est-ce que dans les religions officielles, on abordait le problème des ovnis ? Si vous utilisez le mot religion, vous au compliquez sens, la chose. Oui, au sens strict du terme. Non, parce que d'abord, le mot religion n'existe pas en langue sacrée. Ben, c'est un mot religare, c'est latin, n'est-ce pas ? C'est pas la langue sacrée, le latin n'est pas la langue sacrée, c'est l'hébreu. Si vous parlez religion, je suis obligé de me mettre en deçà, mais il faut tout de même situer les problèmes. La Kabbale, qui elle, a donné naissance, a sous-tendu les religions, tout au moins les religions monothéistes connues aujourd'hui, les trois principales. Pas la Kabbale, pour elle, il n'y a pas de problème. Et ce problème est tellement ancien que je m'étonne, messieurs les astronomes, et là j'aimerais bien aussi tout de même qu'on mette les choses au point, l'astrophysique est une science toute récente. 100 ans. 100 ans. Or, si je me base sur ce qu'on m'a enseigné en astronomie, à l'époque où Ptolémée défendait sa théorie des épicycles, je ne vais pas vous l'enseigner, mais pour les téléspectateurs, on pourrait peut-être dire... Oui, moi j'aimerais bien. Bon, moi, au 1er siècle de notre ère, un astronome grec qui vivait à Alexandrie, n'est-ce pas, avait une théorie qui était la théorie des épicycles, une théorie planétaire, selon laquelle, si je ne me trompe, la Terre était immobile au centre du cosmos, et les planètes décrivaient, selon lui, des cercles, dont les centres de ces cercles eux-mêmes se déplacent uniformément sur d'autres cercles concentriques ou excentriques à la Terre. Alors, on a vécu là-dessus à l'époque où Rabbi Shimeon Bar Yochai, c'est-à-dire en 130-135 de notre ère, rassemblait les éléments du Sefer HaZohar, qui est la Bible des Kabbalistes, le livre de la splendeur. Et que lisons-nous dans le Sefer HaZohar, dans le texte original en araméen, qui est traduit en français, qu'on peut se procurer ? Il est écrit... La Terre se meut. Elle a des pôles. Il existe des antipodes. Des êtres humains sont aux antipodes d'où nous sommes et ne tombent pas pour cela. Ils se tiennent debout sur la Terre à l'autre bout. Il fait nuit à un côté de la Terre quand il fait jour à l'autre côté. C'est écrit noir sur blanc dans le Zohar. Bon. Or, à ce moment-là, les astronomes nous enseignaient qu'il y avait la théorie des épicycles, c'est-à-dire que la Terre était immobile. C'est très bien. En 1250, les astronomes européens, c'est-à-dire vos illustres prédécesseurs, se rassemblent à Tolède, au célèbre congrès d'astronomie de Tolède, qui avait été convoqué par le roi Alphonse X de Castille et de Léon. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on expose en 1250 ? La théorie des épicycles de Ptolémée, c'est-à-dire 1100 et quelques années après l'enseignement du Zohar. Or, à cette époque, circulait en Espagne, pour ceux qui nieraient la très haute antiquité du Sefer HaZohar, circulaient en Espagne des copies de l'araméen, de ce Zohar, qui disaient ce que je venais de dire, que la Terre est ronde, tourne, et etc. Bien. Or, le roi de Castille, affolé, quand il entend les astronomes dire, n'est-ce pas, il y a au moins, on a recensé en 1250, au moins 75 cercles concentriques ou excentriques, il est affolé. Et il dit au congrès, devant tous les astronomes éberlués,
Il dit, écoutez, si Dieu, notre Seigneur, à la création du monde, m'avait demandé conseil pour créer l'univers, il dit, eh bien, la création aurait été mieux faite, et ce qui est essentiel, avec beaucoup plus de simplicité. Bon, si je me base sur ces références, et que je m'aperçois que Copernic, qui est mort en 1543, c'est-à-dire il y a 4 siècles seulement, et encore on ne l'a pas cru, puisque à sa mort on a publié des révolutions des mondes célestes, on a attendu que Galilée vienne vérifier astronomiquement pour confirmer, c'est-à-dire Galilée est mort en 1642, c'est-à-dire que l'astronomie officielle n'a pas vu clair pendant 1600 ans de notre cycle d'ère chrétienne. Alors je me dis qu'aujourd'hui, quand un astronome vient me dire « Oh, l'univers n'est peut-être pas comme ceci ou comme cela », je dis « Halte là, tout beau, votre astrophysique n'a qu'une centaine d'années et tout juste, alors que nous avons une tradition pour pas dire quadrimillénaire, qui est vérifiée de jour en jour. » Pardon de vous interrompre. Je vous en prie. Mais monsieur Grade, vous remarquerez avec quelle précaution, en 100 ans déjà, nos astronomes et nos scientifiques avancent des théories. C'est tout récent, justement, c'est alors, là où je voudrais, suis sceptique. Non, parce que je voudrais poser des questions toutes simples. On nous a posé des questions sur la planète Arca. Vous avez prononcé la planète Arca, nous l'avons pris au début de cette émission. Bien sûr. Alors, bien, qu'est-ce que c'est, Arca? Quel rapport ça avec les ovnis, avec les extraterrestres? Non, ben nous, si nous nous basons, vous me parliez religion, alors nous pouvons parler de la Bible. J'ai cité le verset de Jérémie, chapitre 10, verset 11, et pas où il parle de la planète Arca. Pourquoi d'ailleurs on ne traduit pas Arca dans toutes les traductions de tous les pays? Je suis tout de même surpris, puisque dans l'original on lit, n'est-ce pas, les Elohim, les Elaria qui ont créé la planète Arca. Je vous ai dit que le verset était écrit en araméen et on ne comprenait pas pourquoi la langue chaldaïque ne serait pas traduite au même titre que le reste du texte. Donc cette planète Arca, évidemment, est signalée dans la Bible. Du fait que la Bible est un livre sacré, ça a été repris dans le commentaire du Zohar, le Zohar étant un commentaire mystique de l'Écriture. Mais le Zohar donne des précisions troublantes au sujet d'Arca. N'est-ce pas? C'est là où c'est extraordinaire. Vous avez un passage, je vous donne des éléments très courts, puisque les gens ont écrit pour avoir des renseignements là-dessus. Je veux leur dire qu'à un moment, vous lisez par exemple dans le Zohar, « Vu de l'Arca », ce qui suppose déjà qu'on croit en l'existence de cette planète. On ne va pas dire vu d'une planète fuligineuse et imaginaire. Vu de l'Arca, la disposition des constellations est différente de celle que nous apercevons de notre Terre. Les saisons des semailles et des récoltes y sont également différentes des nôtres. Elles ne s'y renouvellent qu'au bout d'un nombre considérable d'années et de siècles. Donc il ne s'agit pas du système solaire. Deuxième passage. On y sème et on y plante des arbres, mais on n'y trouve ni blé, ni aucune des 7 espèces de froment. C'est étonnant comme précision. Et alors, ce qui est beaucoup plus troublant, c'est qu'il y a un entretien de Rabbi Yossé et de Rabbi Ria avec un habitant d'Arca qui a débarqué là en Terre Sainte à l'époque et qui dit, ce fameux personnage dit, voilà, ne vous fiez pas sur moi uniquement, la plupart de mes, j'irais pas compatriotes, mais enfin, disons, des gens de la même planète d'où je viens, ont des visages différents du mien. Ce qui répond un peu à ces teints basanés, clairs, ces cheveux longs, ces cheveux courts que nous voyons sur d'autres. Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer, on est toujours dans la théorie, dans l'hypothèse, que avant notre civilisation, il y a une civilisation qui est aboutie sur le plan technique à des choses incroyables, et que finalement ça représenterait un petit peu cette ancienne civilisation dont nous aurions, nous, quelques bribes qu'on retrouve à mesure que notre science, notre petite science se développe. C'est une hypothèse, non? Non, mais il y a un divorce. Oui. Non, mais il y a un divorce. Il faut que vous sachiez qu'il y a un divorce entre la science et la philosophie. La faute en incombe aux Grecs. Pas les Grecs sont les grands responsables, et pas d'avoir scindé la science de la philosophie. Exactement comme la Kabbale, qui à l'origine englobait l'alchimie et l'astrologie, s'est trouvée également scindée, pas elle-même. Mais les gens qui ont adopté les sciences autonomes de l'astrologie, les astrologues ne font pas de Kabbale, ils n'en ont pas besoin, paraît-il. Les alchimistes également estiment qu'on peut très bien faire des recherches alchimiques sans Kabbale. Mais nous, nous disons non. Il nous reste 2 minutes pour la fin de cette première partie. Une autre question pour vous, monsieur Grade, et après nous écouterons Pierre Louki. On nous pose la question suivante, et c'est madame Gersin de Charenton. Pouvez-vous confirmer s'il y a eu recrudescence d'OVNI sur Israël pendant la guerre israélo-arabe? Alors là, je voudrais comprendre.
Ah oui, cette dame est très bien informée, c'est vrai, c'est juste. Il y a un rapport qui a été divulgué, enfin, c'est un rapport des services secrets israéliens et américains, un rapport conjoint, qui a été, divulgué par Robert Barry. Robert Barry est le directeur d'un bureau d'OVNI à Tow, en Pennsylvanie. Et on a remarqué, on a dénombré une quantité invraisemblable d'OVNI en 47-48, c'est-à-dire au moment de la première guerre en 47-48, oui, c'est la première israélo-arabe, en 56 au moment de la campagne du Sinaï, en 67 et en 73, c'est troublant. Oui, oui, cette dame a raison, c'est vrai, c'est Robert Barry qui a révélé. Est-ce qu'on peut aller plus loin que de poser la question ou que de répondre à cette question, à une constatation? On peut aller plus loin que la constatation de ce fait? Bien sûr. On peut aller plus loin que... je suis bien de l'avis de mon ami Grade. Tout à fait. Et vous comprenez, nous avons une heure d'émission, c'est très difficile. Alors je crois que nous avons de côté cette question. Et je pense qu'un jour, nous pourrons la soulever de nouveau. Et si vous voulez bien, pour nous reposer un petit peu, bien, nous avons demandé à Pierre Louki de chanter. Alors je vais demander des chansons qui se rapprochent un peu du thème. C'était difficile. Alors il a trouvé le frelon. Alors le frelon, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Quelque chose qui vient de l'espace. Pierre Louki. Dans la maison de Philomène, y a un frelon qui se promène. Dans la maison de Philémon, y a un frelon qu'a un phlegmon. Dans la maison de Philosophe, y a un frelon qui est sain et sauf. Dans la maison de Fil de Fer, y a un frelon, il faut se le faire. Dans la maison de Philippine, y a un frelon qui aime la chopine. Dans la maison de Philistin, y a un frelon qu'a les cheveux teints. Dans la maison de Philoxène, y a un frelon qui est obscène. Dans la maison de Philandreux, y a un frelon, non, y en a dreux. Dans la maison de Philiforme, y a un frelon en uniforme. Dans la maison de Philibert, y a un frelon qui lit Flaubert. Dans la maison de Philanthrope, y a un frelon qui fait du stop. Dans la maison de Philippon, y a pas de frelon, c'est ça qui est con. Une oreille, j'ai écouté Pierre Louki, une autre, j'ai écouté M. Grade. Alors, nous avons tenté une petite expérience. Parce que le problème des ovnis, la presse en parle, nous-mêmes ici, la radio, la télévision, et je crois que ça pose en grande partie le problème de la rumeur et de la chose vue, de l'information qui se développe, qui parfois se déforme. Alors, Thierry Calmette a fait un petit sondage. Nous avons monté un petit coup, si je puis dire. Mais écoutez, vous n'en dites pas plus. Regardez, ça se passe à Saint-Vrain, à côté de la Ferté-Alais. Regardez bien. Saint-Vrain, 35 km de Paris. Des plombiers en goguette? Non. Oui, vas-y. Bon, tu me dis, il y en a assez là? Ok, pour moi c'est bon. C'est bon, c'est ok. Je vais tricoter. Oui, attends, j'ai les mains mouillées. Simplement, deux chercheurs du Centre National d'Études des Télécommunications, bon, M. Guglielmi et Neubauer, et un artiste, Patrice Pécheux, animateur du Laser Mouvement. On va savoir si ça va. Je peux mettre en route, ok? Vas-y, vas-y. Il n'y a pas l'eau là. Pour mettre en route, ça fait plus sérieux. Voilà. 19h. Avec un laser, ils vont dessiner pour nous, dans le ciel de Saint-Vrain, un objet volant fort peu identifiable. Le lendemain 18 novembre, nous sommes retournés sur la place du village. Qui avait vu quoi?
Monsieur Domingue, qu'avez-vous vu hier soir? Hier matin, pardon. C'était en me rendant à mon lieu de travail, c'est-à-dire à Saint-Vrain. En arrivant à proximité de Valencourt, c'est-à-dire à l'entrée même aux environs du stade, dans le ciel, j'ai vu d'un seul coup une grande traînée verte, avec au bout une boule blanche. Et au bout de quelques secondes, puis après plus rien du tout. Qu'est-ce que vous avez pensé d'abord? Ben, sur le coup, je pensais que c'était un genre de météorite, je ne sais pas exactement. À quelle distance sommes-nous de Valencourt? D'ici, nous sommes à 5 km de Valencourt. C'est fréquent dans la région, ce genre d'apparition? Ben, apparemment, non, pas tellement fréquent. Mais... Moi, pour moi, c'est la première fois que je vois ça. Ben, ça venait de par là, comme ça, en direction de vers Marolles. Qu'est-ce que tu as pensé que c'était? Ben, je sais pas. Mon père, il disait que c'était peut-être des soucoupes volantes. Quelle heure il était, à peu près? Ben, il était vers 6h30, presque. Et quelle couleur c'était, tu m'as dit? Bleu. Il y a un client qui rentrait, il est venu me chercher en disant « Tiens, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose ». Tout le monde est sorti, il y avait des faisceaux lumineux verts, là, qui, au-dessus d'Itteville, le village est successif, d'abord très très rapide, après ça s'est espacé, puis ça a recommencé plus lent. À quoi est-ce que ça ressemblait? À rien. À rien que je connaisse, rien. Personnellement, on était plusieurs. Il y a un client qui a dit en riant, on va dire qu'on a vu des ovnis ou un truc comme ça, on a tous ri. Puis quand même, le client, sur le coup, il a été un peu choqué parce que c'était vraiment très puissant. On a discuté ce que ça pouvait être, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît. Monsieur Matelin, qu'est-ce que vous avez vu hier soir? Un faisceau lumineux vert. Deux fois, une bande comme ça. Et puis ça a craqué dans le poste et puis c'est tout, voilà. Ça se déplaçait? Ça se déplaçait de temps en temps, oui. De droite à gauche. Alors, on a vu un faisceau, puis après deux. Donc il y avait deux engins? Oui. Ça s'est passé à quel endroit? À Itteville, chez moi. À combien sommes-nous d'Itteville à peu près? Itteville, 2 km. Quelle heure était-il? Vers 8h. Vous l'avez vu, vous, personnellement? Chez ma soeur, en face, là, à côté, là, 1 km environ d'ici, elle a vu aussi un faisceau lumineux. Vous avez été effrayé? Oui, bien sûr, oui. Ouais, ça fait de drôle, hein, bien sûr. Et ça, c'est pas normal. J'ai demandé ce que c'était. Puis, j'en ai même pas parlé en rentrant à la maison. Ils vont me prendre pour un fou. Pourquoi vous prendre pour un fou? Bon. Vous savez, des trucs comme ça, il y a toujours des gens qui racontent qu'ils ont vu des... Qu'ils ont vu des quoi? Des choses bizarres. Un trait blanc, comme ça. Qui partait de là-haut, sur le côté, et puis il éclairait. Qu'est-ce que tu as pensé que c'était? Oh, des martiens. Bien, voilà, je voudrais à la fois rassurer et remercier les habitants de Saint-Vrain. Je dois dire que si la même aventure m'était arrivée, j'aurais réagi comme eux, et ils ont bien prouvé qu'ils étaient de bonne foi. Bon. Oui, l'abscisse lingué est révélateur. Oui. Alors, surtout que dans cette région, il ne se passe pas grand-chose. On est tout près du centre de Brétigny. Il y a plein d'usines de recherche. Il y a même un zoo. Et personne n'a rien vu de spécial que ce que la télévision a fait. Et en plus, comme il manquait de nuages ce jour-là, il n'y a pas eu tellement un ovni dans le ciel. C'était donc un faisceau lumineux. On peut dire qu'ils ont assez bien analysé la les chose. Les réactions sont très saines de la part des témoins. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Justement, on voit qu'à l'heure actuelle, il y a quand même eu une pénétration sur le plan sociologique très important. Voyez-vous, les gens ne sont pas surpris. Le phénomène est un phénomène qui ne les a pas dérangés, mais ils ont vu qu'on leur faisait une farce. Vous avez remarqué la réaction? Oh oui, je pense qu'ils ont vu qu'on les abusait. Voyez-vous, je crois que l'intérêt... Moi, je ne suis pas sûr. Hein. Ah, mais je crois que l'intérêt dans ce genre de choses... Moi, je crois qu'il faut avertir le public. Je pense que le public doit être averti de ces phénomènes. Parce que qui nous dit qu'un jour ou l'autre, il n'y aura pas un survol massif d'une ville par une cinquantaine d'engins à basse altitude? Et alors là, on risquerait des scènes de panique. Et je crois que l'intérêt des réunions comme celles que nous avons aujourd'hui, justement cette grande audience que vous avez auprès du public, c'est de mettre en garde le public et de dire de ne pas céder à la panique. Je crois que c'est quelque chose de bien. Oui, non, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Tarade. Je pense que cette expérience est très intéressante parce qu'elle apporte deux éléments importants. Elle montre que d'une part, les gens ne sont pas, n'affabulent pas à partir de ce qu'ils voient. Vous avez remarqué, personne n'a parlé juste de petits êtres descendus de ce groupe. Ils décrivent exactement ce qu'ils voient. Et ça me paraît très important. Ça prouve bien que lorsque des témoins disent avoir vu quelque chose de vraiment très étrange, on peut leur faire confiance que maintenant, il ne s'agit pas d'affabulation. Ne serait-ce que pour ça, cette expérience est intéressante. Et ce qu'ils ont vu, ils l'ont très bien décrit. La couleur y était, les formes également.
Je voudrais, Bernard Matignon, attirer votre attention sur le fait que le trucage, n'est-ce pas, a été fait vers 6h30, 7h du soir. 7h. 19h. Or, le premier témoin passé sur l'antenne parle d'un phénomène qu'il a vu le matin. Oui. Et le quatrième témoin parle d'un phénomène qu'il a vu à 20h. 20h, 19h, je veux bien croire qu'il se soit trompé d'une heure, mais 12h, ça me paraît beaucoup. Oui, si, là, il y a une explication. Vous avez vu, la description du témoin ressemble manifestement à une rentrée de météorite. Et je crois qu'il s'agit là d'un phénomène tout à fait différent qui s'est produit par hasard le même jour. Qui peut jouer d'ailleurs quand on fait des recherches. Oui, bien sûr. Non, le premier témoin, je crois qu'il faut l'exclure de cette séquence. À moins qu'il ait vu tout simplement un ovni. Alors, je voudrais avoir l'avis de Marius Deville, parce que vous arrivez une aventure. Ça aurait très bien pu vous arriver, comme c'est arrivé aux gens de Saint-Vrain. Mais alors, l'intérêt de la chose, c'est que ça vous est arrivé en 1954. On ne peut pas dire que les ovnis étaient à la mode. Comment vous réagissez à ce film que nous venons de voir ? Ah ben, je vois qu'on prend les gens pour des dingues. Oui. Déjà, premièrement. Hein. Et deuxièmement, moi, ça fait déjà 25 ans qu'on me prend pour un dingue. Alors, aujourd'hui, on me prend encore pour un dingue. Bien, alors, j'aimerais que vous nous racontiez votre histoire. Je crois qu'il est nécessaire de la remettre un petit peu... Nous avons des documents pour ça, on va montrer tout de suite. Voir aussi, parce que je crois que c'est important, comment la presse s'en est servie aussi. Je crois que la presse m'a beaucoup abusé. Oui. Il y a eu des gens qui ont été sincères, d'autres qui n'ont pas été sincères. Bien voilà, Radar était là, naturellement. Ah, Radar, mais pensez donc. Écoutez, vous sortez la nuit, vous êtes en train de lire. Regardez un petit peu les engins qui sont balancés. Oui. Alors vous sortez... Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu l'histoire, s'il vous plaît? Alors vous étiez à l'époque... vous étiez garde-barrière. Non, je n'ai jamais été garde-barrière. Non, parce que j'ai vu une maison avec des rails. Oui, c'est une maison avec des rails, oui. C'était un logement que j'avais sous-loué. Oui. On peut voir d'ailleurs, je pense, l'image de votre habitation. Voilà. J'étais heureux avec ma famille, vous voyez, dans ce petit coin. Il a fallu que je voie des ovnis pour être foutu à la porte et tout. Foutu à la porte de l'usine, tout. Rien que des emmerdements, excusez-moi l'expression. Alors, moi, le soir, j'ai entendu le bruit comme c'est un passage de braconnier, tout ça. Mon chien a crié, donc. Je sors, mais alors je sors de la lumière, je sors dans la nuit. Je ne vois rien. Moi, je vous explique tel que j'ai vu. Excusez-moi, je ne suis pas comme ces messieurs, je ne suis pas un érudit. Hein. Alors, je mets le nom du machin, je fais mes petits besoins, et mes yeux s'arrangent à l'obscurité. Je vois mieux. Et d'un seul coup, je vois de Lascar qui s'amène. Deux messieurs, si vous aimez mieux. Ah, vous pouvez dire de Lascar. Oui, parce que, excusez-moi, je parle un peu à gauche, mais c'est pas de ma faute. Alors, je ne pense pas à ça tout de suite. J'ai essayé des braconniers, ils ont une petite charge ou n'importe quoi. Et d'un seul coup, mes yeux sont tirés de l'autre côté. Je voyais mon chien qui courait, qui divaguait de tous les côtés. Alors là, j'ai eu une espèce de maçon sur la voie. Et d'un seul coup, j'avais entendu parler d'OVNI, comme tout le monde. Oh, j'ai demandé Dieu si c'était de ces Lascars. Alors, vous savez, j'ai eu un espèce de... Comment vais-je dire ça? J'ai eu quelque chose dans ma tête, dit si je pouvais en capturer un. C'est vrai, vous voyez... Ah, vous avez pensé à ça? Aussitôt. Alors, je me suis précipité. Bon, d'un seul coup, les Lascars m'ont paralysé. Alors, comment, on m'a demandé... Venez. S'ils étaient grands ou petits... Attendez, il y a une chose, madame, vous savez... En quelques instants, on ne peut pas tout voir. Mais pas alors, vu leur taille. Si, effectivement, vu qu'ils étaient derrière ma barrière. Alors, j'ai estimé à peu près à 1 mètre, 1,20 m. On m'a demandé s'ils avaient des bras. J'aurais simplement répondu qu'ils n'avaient pas de bras. Donc, Radar a fait des espèces de boules. Je les ai entendus marcher, puisque j'entendais leur pas, j'étais paralysé. Mais j'avais toute ma lucidité. Je les ai entendus contourner, passer sur mon ciment et monter dans l'appareil. Mais j'étais toujours paralysé par cette espèce de phare. Et ils sont montés dedans, le phare s'est éteint, l'engin s'est enlevé. Je l'ai vu noir pendant quelques instants. Et c'est quand il a été à une certaine hauteur, qu'il a pris une certaine trajectoire, qu'il a pris un effet lumineux. Et alors après, avec une espèce de... De queue, vous voyez, comme une étoile filante. Mais alors, on m'a beaucoup posé de questions. Le docteur Lainec est venu me voir, il s'est dérangé d'Amérique et tout. On m'a demandé quelle couleur était le rayon qui me paralysait. Vous savez, en quelques instants, vous ne pouvez pas tout savoir. Je voudrais que vous et ces messieurs, vous voyez une soucoupe volante. Non, peut-être au moins, vous êtes des scientifiques.
on aurait peut-être quelque chose à dire vers vous. On a montré là. Mais vous passerez quand même, vous, comme moi, je vais passer pour un fou. Vous savez, on m'a fait beaucoup de choses. On m'a fait des misères, monsieur. Mais à plus de 20 ans de distance, je voudrais savoir, sur le plan de la science, sur le plan des ufologues, c'est une science aussi, mais disons la science officielle et les ufologues, qu'est-ce qu'il y en a tiré de cette affaire, l'histoire de monsieur de Wilde? Écoutez, sur le plan scientifique, je vais être franc et net, on n'a pas étudié le cas. Oui. Et sur le plan scientifique officiel. Oui, officiel, bien entendu. Peut-être vous, peut-être vous. Monsieur, non, je n'ai pas connaissance. Mais les autorités françaises sont venues, monsieur. Oui. Ils ont monté des espèces de grands piédestals. Avec leurs photos, vous savez, leurs anciennes photos je pense de... qu'ils ont... Monsieur Boyer ? Je pense, d'après ce que j'ai lu, je crois qu'on a fait certaines mesures, notamment parce que les pieds de l'engin s'étaient posés sur des traverses de chemin on de fer. On les voit d'ailleurs en ce moment. Oui, et auraient enfoncé, auraient causé des enfoncements dans le bois. Voit, et oui. On aurait même, j'ai lu, je ne sais pas si c'est exact, on aurait même évalué le poids de l'engin. Une trentaine de tonnes. D'après l'enfoncement qui avait été fait. Donc il semble qu'il y a certaines personnes... Je ne sais pas si ce sont des officiels ou pas. Il y a certaines personnes qui ont fait des mesures à la suite de cette... Écoutez, si je me rappelle bien, ce sont ces messieurs de la police d'Orléans. Oui. Donc, alors, plusieurs qui m'ont dit, vous êtes un fou, on va vous mettre au bloc, tout ça, on va vous filer en prison. Je dis, vous savez, j'en ai rien à foutre, moi. Bon, personnellement, j'ai des sincères. Jimmy Dieu, vous avez alors, étudié un peu ça. J'ai étudié le cas assez vite parce qu'on avait d'autres avec Marc Tirouin. Et nous avons été les tout premiers à Ouranos à défendre évidemment la sincérité de Marius de Wilde, qui n'est absolument pas mise en doute. Il fallait être un obtus de la science officielle à l'époque pour pouvoir le critiquer. Je voulais dire que cela s'est passé le 28 septembre 1954 en soirée. Mais dans l'après-midi du 28 septembre 1954, et je l'expose dans mon bouquin, je veux bien le montrer parce qu'on ne l'a pas montré la dernière fois, il y avait d'autres éléments. Pas montré là encore un petit peu. Voilà, blackout sur les soucoupes volantes, oui. Eh bien, le 28 septembre, donc le jour où tu as, le soir où tu as vu cela, quelques heures avant, Madame Leboeuf, à Chabeuil dans la Drôme, a vu deux créatures de petite taille. Elle a été attirée par ces créatures, non pas par une vision directe, mais parce que son chien s'était mis à aboyer après ces deux créatures. Elle a dit, tiens, et c'est curieux qu'il y ait deux épouvantails. Et elle a vu ces épouvantails, entre guillemets, bouger, et elle s'est rendue compte que ce n'était pas des épouvantails. Je voudrais préciser que Madame Leboeuf fut malade à la suite de cette observation qui l'a terrorisée. Son époux et d'autres parents qui étaient là, qui, avec elle, ramassaient les champignons de la nature, se sont précipités. Je voudrais préciser aussi que son chien fut malade, comme un chien, c'est le cas de dire, pendant 3 jours. Il avait dû lire lui aussi de la science-fiction. Non, mais c'est exactement la même affaire qui s'est passée sur le plateau de Valensole, oui, avec Maurice Mass. Exactement. Nous connaissons une autre affaire, nous ne pouvons pas divulguer le nom du témoin parce que c'est un étranger qui travaille en France, l'affaire s'est passée près de Draguignan. C'est notre ami Jean Miguère qui a effectué l'enquête sur le terrain. Et cet ouvrier espagnol a été paralysé dans les mêmes conditions que Marius de Wilde a été paralysé, dans les mêmes conditions que Maurice Mass s'est trouvé stoppé. Et quand même, on retombe sur des paramètres communs. Ce sont toujours des êtres petits qui pratiquent cette sorte de paralysie. Remarquez, maintenant, on sait qu'on a mis au point sur Terre un appareil qui permet de paralyser un homme à une dizaine de mètres. C'est le Taser, qui a été inventé par la Taser System Corporation aux États-Unis. C'est un engin qui envoie une décharge électrique de 50 000 volts. Mais enfin, je crois qu'il est très intéressant de reprendre ces cas, justement parce que la pression dynamométrique exercée au sol dans l'affaire de Wilde était exactement la même que celle qui est exercée au sol dans l'affaire de Valensole. Et Dieu sait si Maurice Mass a eu des ennuis à la suite de ce contact. Ses propos ont été déformés. Moi, 2 ans après, j'ai rencontré Maurice Mass. Il n'a jamais voulu, il ne voulait pas me faire de confidence. Et il avait bien raison. Nous avons discuté quand même pendant 2 heures. Et c'est là que j'ai pu comprendre pourquoi les témoins étaient obligés de garder le silence. Et, voyez-vous, il y a une certaine maturité à atteindre dans le public et surtout auprès des scientifiques. Et il faut quand même, je crois, que la première démarche scientifique serait de prendre tous les gens qui ont été victimes, je dirais victimes parce qu'il y a paralysie, c'est peut-être pas un acte d'agressivité au sens propre du mot, c'est peut-être simplement pour éviter que le témoin aille près de l'engin au moment où il décolle et qu'il soit brûlé par les radiations, c'est fort possible. Mais je crois qu'il y aurait véritablement une démarche scientifique en profondeur à accomplir dans ce sens-là. Je voudrais préciser, Bernard Matignon, une chose que le public sait peu, c'est que Marius de Wilde a fait cette observation, mais qu'il en a fait d'autres. Veux-tu en quelques mots nous dire ce qu'était la seconde observation lorsque tu avais ton fils avec toi? Oui, c'était, je crois, un mois jour pour jour. Exactement. Vous savez, les dates. Mon fils m'a appelé, c'était en plein jour. Là, j'ai eu le plaisir de,
de voir ces êtres en chair en os, si je peux le dire. L'instinct de conservation, j'ai couru vers mon fils, je l'ai pris dans mes bras. Donc, je crois un homme qui semblait être un chef, mais avec aucune distinction de grade comme en France ou à l'étranger, vous voyez. Cet homme s'est approché vers moi et m'a parlé. Mais vous savez, je ne suis pas polygote, moi. J'ai déjà du mal à parler français, alors vous le voyez bien. Alors, il est venu vers moi, il a caressé mon fils, il m'a tapé sur le dos, caressé doucement. Et je suis regardé, vous savez, j'avais le trac. Et j'ai vu cet appareil plus loin, peut-être une cinquantaine de mètres. Mais cet homme s'approchait toujours, il me faisait comprendre quelque chose. Non, moi, je ne comprenais rien. Donc, vous savez, j'avais un élevage de poules, je devais des poules pour moi-même, pour ma petite famille. Même quand je voulais manger une poule, si je voulais la becquer, il fallait que je lui donne du grain et puis que je l'attrape. Lui, directement, il a été vers peut-être la bête qu'il a choisie. Cette poule s'est abounie. Je vois ce que vous voulez dire, abounie, vous voyez. La bête s'est abaissée. Elle n'a pas bougé. Il l'a prise, il l'a mis sur son bras. Et là, c'est là que j'ai remarqué qu'il avait une combinaison réellement. Mais je ne voyais aucune fermeture éclair. J'ai dit, c'est des mecs qui sont réellement plus calés que nous, vous voyez, dans ce que je veux dire. Quelle était la taille de l'aide que vous avez vu la seconde fois? 1m20. Comme les premiers, à peu près. Oui, j'ai pas pris de mètre ce jour-là, ni de photo. Marius Deville, j'aimerais vous poser une question. Oui. On prétend, dans certains milieux bien informés, que vous aviez une preuve absolue du passage de ces êtres sur notre planète. Oui, monsieur. On prétend que vous avez ramassé quelque chose qui a été laissé par l'engin. Est-ce vrai? C'est vrai. Mais écoutez, il y a certaines autorités qui ont mis un blackout complet là-dessus. Mais écoute, excuse-moi de t'interrompre, Marius. Nous sommes là devant quelques millions de téléspectateurs et devant certainement des yeux qui appartiennent aux autorités. Il n'est pas concevable qu'on puisse exercer contre toi des représailles. Alors cette petite boîte que Guitarade a... Je vais vous parler d'autre chose, moi. Vous me parlez d'une petite boîte et la soucoupe volante que les autorités françaises ont capturée. Vous savez où elle se trouve? Moi, je le sais. Et on m'a mis en présence pour me dire est-ce que c'est ça ou c'est ça. Hein? Ah bon, mais alors là, nous sommes à la période déboutonnage. Il faut y aller. Il faut y aller. Hein? Dites, déboutonnage, c'est bien beau. Mais moi, on m'a déjà filé que 3 semaines dans une asile de dingue. On voulait pas nous. On m'a fait de. Mais là, il ne s'agit pas de. Attendez, bougez pas. On m'a fait de. Comment ça s'appelle? Le sérum de vérité. Un total, oui. On m'a fait ce qu'on appelle. On m'a mis sous hypnose. Donc pour récupérer. Ces petites choses, vous voyez. Et c'est à travers l'analyse hypnotique qu'on a trouvé l'emplacement de la boîte. Voilà, bon, monsieur. Donc, ça n'était pas enfanté par l'esprit, cette boîte. Maintenant, je vais vous poser une autre question, parce que ce n'est pas la première fois que de tels objets sont laissés. Vous me répondrez, si vous voulez me répondre. Est-ce qu'il y avait des petites boules à l'intérieur de la boîte que vous avez trouvées? Écoutez, c'était... Parce que, comme je vous ai dit, cette première chose, quand j'ai vu, la pile électrique était complètement hors d'usage. Comme mon poste que j'ai regardé le lendemain, j'ai voulu téléphoner tout de suite puisque j'ai une cabine téléphonique dans la cour de ma petite maison. J'ai voulu téléphoner, les piles étaient complètement vides. Alors donc je prends mon vélo moteur, je sors et en sortant sur le bord de la voie, je me suis donc puté dans cette chose. Je dis qu'est-ce que c'est qui se trouve là? Et je ne croyais pas. Donc j'ai allumé mon briquet. Et au contact de la lumière, cette boîte s'est refermée. Automatiquement? Automatiquement. J'ai planqué cette boîte. Vous avez pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur? J'ai vu quelque chose, beaucoup de choses, mais vous savez, je ne suis pas un érudit, monsieur. Non, mais ce n'est pas un érudit, c'est une histoire d'observation, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas un interrogatoire. Ça ferme tellement vite, monsieur. Non, parce que... Mais alors dites-moi, vous avez gardé donc cette petite boîte par devers vous. Vous n'avez pas envie de savoir davantage? J'ai tellement essayé de savoir, vous m'avez promis beaucoup de choses. Comment s'appelle ce docteur américain qui est venu me voir? Hynek, Alan Hynek. Le docteur Hynek est venu me voir, on m'a donné une somme de $10,000 pour aller en Amérique. Pourquoi m'a-t-on interdit de partir vers ce pays lointain? Moi j'aurais bien aimé voir l'Amérique, aller avec ma famille. Qui vous a interdit de partir? Vous savez. J'ai toujours peur des emmerdements, vous voyez. Bien, en tout cas, il y a toujours un mystère de Wild. Est-ce qu'on vous a refusé un passeport ou un visa? De passeport, je n'en avais pas.
Et vous avez fait une demande pour en avoir? Je n'ai pas fait de demande. Mais on m'a bien dit 10-5 demandes, vous voyez. Bien. On dit si vous partez, vous êtes... Vous ne reverrez plus votre famille. Écoutez, Monsieur Deville, si un jour vous avez d'autres précisions et si vous acceptez de nous montrer cette petite boîte, nous sommes prêts à vous accueillir et devant des millions de spectateurs, de téléspectateurs, l'ouvrir. Et peut-être que c'est important, je n'en sais rien. Je pourrais aussi qu'on montre une autre petite interrogation. C'est le fameux signe de Maliget, monsieur. Oui, le signe de Maliget, je crois que peut-être l'appeler autrement. Ce fameux signe que nous voyons apparaître sur l'écran, ou du moins qui va apparaître maintenant sur l'écran, a été matérialisé pour la première fois dans les Alpes de Haute-Provence en 1952, près d'une ferme située entre le pic de Coire et le pic de Coucouillon. Il y a eu un atterrissage sur ce point. Il y a eu un atterrissage, des êtres sont descendus d'un engin volant, ont ramassé des poules, comme dans le cas de Wild, ont ramassé des fourchettes et ont même volé un compteur électrique dans une maison. Il y a eu une plainte à la gendarmerie. Ce signe apparaît donc en 1952. Il est répertorié par les ufologues, il est certainement répertorié par les chercheurs officiels, et plus personne n'en entend parler jusqu'en 1972. En 1972, près de Maliget, c'est pour ça que nous l'appelons le signe de Maliget, ce signe fait une nouvelle apparition, mais cette fois-ci massive. Ce symbole apparaît à des centaines d'exemplaires sur des monuments publics, sur des bornes, sur des plaques indicatrices, à tel titre que la gendarmerie ouvre une enquête, non pas croyant qu'elle avait affaire avec des gens venus d'ailleurs, mais simplement parce qu'il y avait eu des endroits qui ont été souillés, qu'il fallait les nettoyer. On a fait une enquête, on a pensé qu'il s'agissait d'une marque publicitaire, on pensait que c'était quelqu'un qui lançait une opération publicitaire. Et puis... par des sources bien informées, la DST était sur l'affaire, on peut le dire, on s'est aperçu que ce signe était attribué à des extraterrestres, mais à une association qui était en contact avec les extraterrestres. Nous avons fait une enquête sur le terrain. Nous avons pu remonter ce véritable maillon, ce véritable chemin, jusqu'à Avignon. Et dans les rues d'Avignon, nous avons trouvé ces signes complémentaires. Et là, nous avons rencontré quelqu'un qui a prétendu être en rapport avec des gens venus d'ailleurs. Le problème n'est pas résolu, je dis franchement, je ne pense peut-être pas qu'il s'agisse d'un contacté, mais le coût de l'opération s'élevant à plus de 2 millions d'anciens francs, je voudrais bien savoir qui a matérialisé ces signes et dans quel but. Bien, alors c'est donc une question posée, nous n'allons pas la résoudre, mais ça correspond à une question de nos téléspectateurs. Est-il possible que les extraterrestres aient enlevé des humains? Nous en sommes persuadés, il y a divers exemples, notamment aux États-Unis, lorsque le même jour... où Sanidis Virgius, ce chef scout, observait un engin assez extraordinaire qui lança contre lui une sorte de faisceau thermique qui le brûla au visage et à l'avant-bras gauche, une brûlure au troisième degré de 17 cm de longueur. Ce jour-là, à West Palm Beach, en Floride, un couple et leur petit garçon étaient enlevés. Bien sûr, on ne l'a pas vu, mais on trouve la voiture de ce couple, on trouve les pas dans un champ à côté de la route, de l'homme, de la femme et de l'enfant, et ses pas s'arrêtent au milieu du champ, sans retour en arrière. Alors on a fouillé le champ, et l'on s'est aperçu que la dernière trace occupait le centre d'un énorme triangle de 12,80 mètres de côté, avec les mêmes impacts que l'on trouvait dans les traverses de bois de Bochman's Fair. Il y a eu, toujours dans cette région, mais le lendemain, donc, une serveuse de motel qui rentrait chez elle à pied, il était 3h, 4h du matin, elle habitait à quelques centaines de mètres du motel. Elle le rencontre sur la route, elle croise un camionneur qui venait boire un pot de temps à autre. Il lui fait signe, n'est-ce pas? Et on perd sa trace ici. Oh. Et dans le champ, à proximité, même trace mystérieuse. Alors pour enchaîner sur ce que disait Mme Guitarade à propos du signe de Maliget, je voudrais montrer une écriture automatique qui a été reçue par un monsieur qui est un brave retraité, qui ne s'occupe pas de soucoupes volantes ni rien, qui ne connaît absolument pas le signe de Maliget. Et à la quatrième ligne, ici, par là, on voit le signe de Maliget qui apparaît. Inversé. Oui. On voit ici, c'est trop peu visible, mais enfin, je vous garantis qu'il y a également des signes. Là, il y a une menorah en bas. Enfin, ce n'est pas une menorah parce qu'il y en a que 5 branches. Tiens, il y avait 7 branches. Non, il y a 5 branches. Une menorah à 7 branches. Ou 8 ou 9. C'est ça, oui. Est-ce qu'on pourrait... est-ce que vous, M. Grade, vous acceptez l'idée que des terriens pourraient servir de cobayes pour des extraterrestres? Oh oui, tout est possible, évidemment. Tous les extraterrestres ne viennent pas du même point de l'univers et d'un autre côté, ils ne viennent pas avec la même mentalité. Enfin, c'est mon point de vue. Il y a trop de variétés à la surface de la planète pour qu'elles n'existent pas ailleurs.
C'est évident. Bien. Un dernier mot, monsieur Tarras. Non, votre question m'a beaucoup plu parce que nous sommes sur une planète de gens dissivilisés et nous devons quand même reconnaître que pour nos expériences de vivisection, nous sacrifions chaque année 300 millions d'animaux. Alors pourquoi une civilisation plus avancée que la nôtre ne nous considérerait-elle pas comme des animaux inférieurs? Eh bien, je crois qu'il fallait terminer sur ce point d'interrogation. Naturellement, vous comprenez bien que nous n'avons résolu aucun problème, ce n'est pas notre but, et qu'à la fin de cette seconde émission, je crois que nous avons reposé encore beaucoup plus de questions. Eh bien, à vous de réagir, de nous écrire, de poser des questions, et peut-être que nous ferons d'autres émissions sur ce thème. Auparavant, je voudrais quand même, si le problème vous intéresse, vous montrer quelques revues. Uranos. Monsieur Guillaume, on peut en dire deux mots? Oui, voilà, c'est la plus vieille revue européenne consacrée aux ovnis, avec un département de parapsychologie qui est aussi important, car il y a un lien, nous en reparlerons un autre jour également. Il y a une autre revue, là, d'un garçon des soucoupes volantes. Très courageux, Michel Moutet, qui, dans un tout petit village du Var, a lancé cette revue, le numéro 2, que voici. Je crois que c'est d'une intérêt. Une autre revue. Véronica, la revue Véronica. Alors oui. Là, d'ailleurs, je crois qu'il y a un article assez sensationnel. Oui. L'autre monde que vous connaissez déjà avec la dernière émission. Le point sur tous les témoignages sur les extraterrestres, OVNI 30 ans de silence, c'est la revue L'autre monde. Et puis dans Véronica, il y a une chose qui est assez amusante. Enfin, je vous montre Véronica, là, voilà. Non, je vois comme ça, là. Voyons, on voit à peu près. Et pour terminer l'émission, tout simplement, avis aux Martiens. Le maire de Châteauneuf-du-Pape interdit le survol du territoire communal par les soucoupes volantes. Comme ça, les choses sont claires, nettes. Voilà.